Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Est-ce que ça va? Est-ce qu'au niveau du son ça va? Et je me suis ouvert le pied. Ah, j'ai trop mal. Ah. Yo yo yo. Bon, est-ce qu'on est chaud là? C'est Resident Evil 4 là, enfin Resident Evil Village, depuis le temps qu'on l'attend. On a fait les réglages, normalement on devrait avoir les voix françaises et tout. Donc normalement, voix plus sous-titres hein, pour pas perdre les gens. Après, j'ai pas spoil de quoi que ce soit, je ne suis pas au courant de qu'est-ce qui va se passer pendant la démo, qu'est-ce qui est faisable et tout, donc. Donc voilà, c'est la découverte plein pot. Ah, mais il y a deux. Démo village, démo château. Ok. Quand les menus c'est écrit en tout petit, c'est horrible. Démo village ou château? Château. Ok. Bon ben. On va rester un standard, on va pas abuser. Ok, let's go. Cette démo est limitée à 60 minutes de jeu. Cette démo ne permet pas de sauvegarder et charger la partie. Ok, et vous devez être en ligne pour jouer à cette démo. Ok. Ok, let's go. Petit bruit d'eau, j'aime bien. C'est beau. Oh là là, c'est beau. Ah, par contre, la fluidité du jeu par rapport au Resident Evil 7, c'est un truc de fou. Mais là, je sais pas si elle va pas se faire tuer direct ou si elle est pas déjà morte. Je peux même pas me voir dans un miroir, ok. Bon, mais bah, je pense qu'il faut sortir, hein. Ok, ça s'ouvre automatiquement. Je peux pas prendre la cuillère. Ok. Et par contre, les lumières et tout, c'est ouf. Hein. Ok, attends. Ok, donc il n'y a pas 36 000 de. Là, il n'y a rien. Do you want a cup of tea? Ah, c'est beau. Franchement, c'est. Les jeux de lumière et tout, après, j'ose imaginer sur les nouvelles consoles là. Un petit vent. Ah non, pas les. Putain! Pas les souris comme ça.
faire. Ok. Je peux pas bouger. Oh, ok. Ah, c'est propre. Ah, les jeux de lumière et tout, j'aime beaucoup. Voilà, carte et tout, ok. Non. D'accord, ok. Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je peux pas l'ouvrir? Putain, ça brille. Peut-être mon ami. Ça me stresse le fait de. Où est-ce qu'elles ont emmené? Ah, mais. Regarde-moi ça! C'est beau! Là, il y aurait Balou, là, regarde ça! Là, je t'arrête le jeu comme ça, là, je te dis que c'est. C'est ouf! On va se calmer, là, les bruits! Ah, c'est magnifique! Je sais pas, mais. C'est ouf! C'est oufissime! Le jeu est magnifique! Au bateau. Attends. Ah si ça, on voit bien. Ouais, je sais pas si on voit bien. Ouais. Si ça rend bien. Putain, le jeu est propre. On découvre un peu le manoir. Non ça, putain. Du coup, je pense qu'il faut que j'aille là. Là, ok, on va courir. Regarde ça, putain, je suis bluffé. Comme nous nous retrouvons. Ah la voix. Qu'est-ce que vous faites là? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment d'ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Naturellement. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Oh, le bruit du gros, non mais merde. Oh, oh. Non, je peux pas sauvegarder, j'ai pas le droit. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Pour pistolet, non. Ah ouais, mais si. Hein? Revenez bon, quand vous voulez. Allez, mais par contre... C'est trop. Le jeu est trop beau. C'est ouf. Ah non, je suis bluffé. Ah, les petits bruits du parquet et tout. Je pense qu'il faut que j'aille là-bas pour qu'il m'ait ouvert le truc. On va aller voir. Non, par contre, j'aime beaucoup la,
Attends, le gros, il fait un bruit. Ah, ils sont balèzes. Les petits jeux de lumière et tout. Ah, c'est oufissime. Alors, poitrine, pas poitrine, poitrine ou quoi? Restituer le visage des quatre anges. Ok. Non, je pense que la bague, elle servira quelque part. À manger pour le bébé. Là, ça se déverrouille. Voilà. Ah, il est beaucoup plus... tu vois, c'est beaucoup plus... Le tiroir qui sert à rien. Ok, bon, ça. À 36 000 solutions. Ah, c'est beau. Hein. On vient de me dire que. Que le jeu est dégueulasse, quoi. Chimique. Viticole Dimitriscu, Romantin, ok. Il y a des trucs à aller choper quelque part. Ok mec, t'as une tête bizarre toi. On va aller par là. Hein. Ok, on peut pas aller là. Il y a eu des bruits dans la pièce d'à côté. Bébé? Ouais? Ouais. D'accord, c'est pas ça. Attends, mais dis-moi pas qu'il y en avait un de l'autre côté, je l'ai raté. Je suis capable. Non. Poudre noire. Il y a un truc quelque part. Hein. Fouiller les précédentes ou quoi? Là y a rien. Crochet.
La balle. T'as regardé la soluce? Kiki, dis-moi toute la vérité. T'as vu la soluce? Il a triché. Il a triché. Il a triché, bordel de cul, je crois. Non, il a triché. Il a regardé la soluce, j'en suis sûr. À vous. Ah, je pense qu'il a triché. Ah, si. Ah, t'as vu la solution, t'as déjà vu. Sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ce qu'il y a un homme. Laisse-moi te prendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vif, prépare-toi. Qu'est-ce que ça fait? Je ne peux plus me retenir. Casse-toi. C'est tout. Une fois empaillé, tu décoreras le hall. Oui. Voilà. Ah mais c'est vrai que je peux me défendre. C'est vrai qu'on peut se défendre. Bouge de merde, hein. C'est parfait. Oh, je crois. Oh, vol de mort, mais casse-toi! Mère te trouve mince, mais je pense que tu es lisse. Oui, comme ça. Ah putain, vol de mort quoi. Oh non, oh Lady. Ah, ce qui paraît, c'est The Gros personnage de ouf.
Donne des balles. Ouh, tu sens que ça va péter ça. Je vois rien. Attends, y a pas une lampe torche là, quelque part là? Y a pas un bâtonnet là? Allô? Ah, y a pas une torche, un truc comme ça? Ah bah si, d'accord, bah c'est moi qui suis con. Ok, du caca. J'ai pas vu. Est-ce que ça, ces quatre noms, ça serait pas les quatre loups ou un truc comme ça, une connerie comme ça? Il y aurait pas une histoire un peu, tu vois, la Resident Evil 7 où, tu vois, ils ont pris que des femmes dans le château et du coup, tu vois, ça serait les espèces de, les nouvelles mamies, tu vois, du jeu. Oh putain de merde! Il est où le bâtard? Mais putain, mais il y en a plusieurs! Non, 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 pas la première mort! Pas comme ça, Zinedine! Que le démon t'apprenne sur toi! Non, 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 non!
Non, j'ai plus de balles. J'ai la salope. Je vais me faire avec toi, Satan. Non. Oh non, je me dis pas que ça réapparaît. Je sais pas, ma théorie c'est que le truc c'est que ils ont. Comme t'as pu le voir, le virus s'est propagé via le bateau. Dans le 7. Par rapport au 6, tu vois. Et moi là, est-ce que tu vois, genre. Est-ce qu'ils auraient pas tenté le coup, tu vois, ben là, au château, hein, déversant un peu de virus sur le château pour faire des tests et tout, quoi. Par contre, ça va être très compliqué. Il y en a un qui m'attend quelque part. Je sais pas où il est. J'ai pris des... Ah, oh, je les ai pas pris. Hein. Boulet. Il y en a un qui arrive, je sais pas. Je suis dans la merde. Oh, putain. Je suis dans la mer. Oh, je chie des balles. Et c'est le choc. Arrêtez avec les violences, ça fait chier. Oh, mais je suis quand même dans la merde. Hein. Même dans celui-là, t'es dans un déj de balles à chaque fois, quoi. Je crois que j'ai l'impression qu'ils font des rites sataniques. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Non ! Mais casse-toi ! Je veux me noyer dans ton sang. Ben pas moi. Il me faut du sang, chaud, humide, du... Où est-ce que tu vas, petit coquin? Non, non. Fin de démo peut-être, hein. C'était juste...
in life and in death glory to Mother Miranda. When you're whining, we're almost there. Rose, where are you? Rose. Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Pour être plus, plus précis, il sort dans 5 jours. Oh no! They're coming. Who is? What the hell was that? Ah, mais c'est parce que là, c'est pour l'autre côté, il y a le village. Je pense que ça doit être 38 minutes, 38 minutes. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Que t'essayes l'intérieur du château et que t'essayes le village. Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Non, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. C'est là, faut faire le côté village maintenant. Ouais, Chris. Say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Voilà. Il a buté Mia alors que ça faisait 3 ans. 3 ans. Et pourquoi il a un visage de loup? Moi je pense, je sais pas, j'ai ma théorie, ça aurait été, mais c'est bizarre. Non. Je vais regarder, normalement je peux jouer au côté joueur, au côté village. Allez. Allez. Ah, c'était gavé stylé par contre. C'était gavé stylé. Le château là, l'espèce de manoir là, c'est difficile. On va à la recherche de notre fille en fait. Parce qu'on a eu un gosse en 3 ans avec. Où il s'est passé quelques années après. Là, en gros, synopsis du jeu, quoi, en gros, c'est le jeu se déroule quelques années après les événements de Resident Evil 7. Le héros de ce dernier, Ethan Winter, retrouve sa femme Mia et mène une vie paisible, tout jusqu'à l'arrivée de Chris Redfield. Le jeu présente une antagoniste de nom, Lady Dimitrescu, inspirée notamment d'Elisabeth Báthory. Voilà, ça peut apporter de la connaissance. Et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres?
cloches du château annoncent le malheur. Ils arrivent. Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Rose, merci de l'accueil. C'est jamais. Et c'était tout à l'heure, on était là, quoi. Ah ouais, putain. Ils ont pas blagué, quoi. Bonjour. Je m'installe, hein, au calme. Au lycan, loup démoniaque, légendaire, venez nous dévorer, venez manger notre chair. C'est pas très accueillant tout ça, hein. Je dis pas que c'est le gros. Ouais. Cette chef protège notre village et c'est... Oh. Oh putain, c'est un corbeau. Je sais pas, moi on m'a toujours dit les corbeaux, c'était mauvais signe, mais bon. C'est qu'il y a des portes comme ça. Oh, de l'herbe. Oh man, t'as pas de l'herbe. Putain. C'est une église. Popek now. Ok, le loup, on peut pas y aller, quoi. Un peu dégoûté, quoi. J'imagine que ça mène au château. Est-ce ah, non. Ouais, là je peux pas y aller. Oh. Elle a tout l'air d'un truc, mais bon.
Peut-être la première mission, j'ai pas fait gaffe à des trucs. Ou peut-être que si. Ah mais la pute elle avait fermé en plus. Et ça tu je peux pas. Attends, tu vas pas me dire que ça je peux pas le voir. Je suis Ethan Winter quoi. Bordel de cul quoi. Ça je le fais. Je sais pas. Fermé. Voilà ben. Je pense qu'on m'a donné des balles mais que. J'ai checké mais je sais pas s'il faut pas que je tire sur ça. Pour débloquer un truc. Et. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais. Allez, mollo les. Mollo les corbeaux, nickel. On se calme, on se calme. Ok, attends, là on a trouvé le truc. Ah mais je pense que c'est ça. Faut que je détruise le truc. C'est les endroits. Ah c'est ça. Et là je peux pas y aller. Ah. Ok, ok. C'est trendy. Ok. Tu vois, je suis plus rassuré avec un fish pump.
Oh mais merde quoi. Moment de tension quand même. Il y a un deuxième. Et je sais plus là, je suis putain. Ah vas-y, je vois des trucs bouger et tout dans tous les sens, ça me stresse. Sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. Oh. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Ouais, c'est vrai. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. On va le tuer de toute façon. Il faut qu'on fasse quelque chose, vite. Je sais pas comment entrer chez Louisa. C'est là ? Tiens, je sais pas du tout. Si on se dépêche pas, ils vont... Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Cours, 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 Ethan. Je peux pas jamber. Je peux pas. Hein. J'ai pas un jambé, putain.
Bon, attends. Oh. Ils sont pas derrière moi, ils sont derrière moi, ils sont derrière moi, je suis mort. Est-ce que ce soit là? Non. Il n'y a pas un moyen de venir, putain. Je sais pas du tout là. Ouais, lui aussi, intrigant. Baroud d'honneur, les gars. J'ai plus qu'une balle. Et qui en respawn là, on paraît. Ah ça là. Ah bah j'ai plus rien. Hein. Je vais l'habiter le couteau.
Je vois pas du tout. On a pas des balles. S'il vous plaît. Ouais, et je sais pas trop. Toi, pour l'instant, j'ai plus kiffé l'atmosphère manoir, tu vois. J'ai pas compris ce que j'ai pris. Et je sais pas, putain, je ne sais pas. En fait, je sais pas, il y a un truc à faire là-bas, mais... Le problème, c'est qu'il y a trop de monstres. Hein. Je suis revenu là. Ah. Ça me détend. Attends, un truc. Ça pue la mort là, l'histoire.
On explore. Y'a pas de truc. Bon, propre. Hein. Très propre. Hein. Le village. Très très propre. Hein. Franchement, pas déçu. Quoi. Ouais. Ouais. Non, après, je comprends pas trop parce que t'es livré comme ça et tout. Je me dis que ça peut pas être le cas d'un jeu. Donc, forcément, c'est un peu biaisé parce que. Et tout. Donc, mais le jeu. Pour l'histoire, ça a l'air pas dégueu et tout. Après, c'est vrai que je préfère la partie château, enfermé et tout. Mais après, à voir avec l'ensemble et tout aussi. Faut voir, là, c'est qu'on voit pratiquement 30 minutes maximum. Je pense, ou une heure de château, une heure de truc. Mais tu peux, t'as pas moyen d'explorer plus, quoi. C'est, je pense que vu que t'es cantonné à quand le mythe, le let's play. Ben, quand on aura le jeu, donc peut-être pas forcément de suite, parce que le jeu sort le 7 mai, donc à moins que je vende Immortal Rising pour celui-là, mais j'avais d'abord l'intention de, pourquoi pas, prendre un Cyberpunk, et me faire vite fait Cyberpunk, vite fait, vu qu'il doit être beaucoup plus abordable le jeu, je pense. Et je vais d'abord me taper un Cyberpunk et après potentiellement après le village, tu vois, genre le village, ça peut entendre le faire peut-être, pourquoi pas, tu sais, genre, hein, parce que là je sais que tout le monde va le faire et tout direct et tout, et ça sert à rien de surfer sur la hype de suite et tout. Donc autant le faire quand au moment voulu, genre en juin, peut-être juillet, tu vois. Juin, juillet, par là. Et se garder ça, tu sais, à faire ça les soirées et tout, tranquille, quoi. Mais après, le jeu, bien, moi j'aime bien. Graphiquement, la partie château, il n'y a rien à dire. Partie château, c'est, je crois que c'est plus... C'est vraiment the party que j'ai préféré. Et puis en termes de gameplay, de jeu, de lumière et tout, c'est affolant. Il est affolant. Le jeu tourne très très bien, quoi. Ah non, c'est beau. Et puis l'ambiance à la roof et tout. Ouais. Dedans, ça a l'air ouf. Après, dehors, après avoir dehors, parce que ça me fait penser à Resident Evil un peu. Le 4, vite fait, un mélange entre le 4 et d'autres Resident Evil. Mais après, le gameplay a l'air pas mal, franchement, très prometteur, j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus fluide. On sent quand vous avez aussi, on sent que le moteur graphique du 7 derrière, il est bien poussé, tu vois, donc derrière, c'est plaisant. Je sais pas pour vous, si laquelle partie vous avez, si, des deux parties, vous avez trouvé ça beau et cohérent et tout, ou si, mais peut-être là, la partie en est, là, dans le village, c'est un peu moins beau, peut-être. Un peu plus quelconque, je sais pas. Mais choqué, quoi. Ah, et puis là, d'avoir vu le boss et tout, tu vois, voilà, quoi. Ah, mais techniquement, il me restait 4 minutes 51. Je sais pas si on le voit, non. Il me restait 4 minutes 51 de démo, donc... Ça servait à rien, quoi.
propre pour réutiliser hors de deux, mais bon, ça sert à rien. Je suis choqué, quoi. Choqué de ouf, quoi. Le château et avec le gros. Là, il y a celui-là. Après, non, je sais pas, le Cyberpunk, je vais pas vous cacher que c'est un caprice parce que c'est du CD Projekt et que pour eux, je. Voilà. Quand tu vois la qualité de The Witcher 3 et tout, 6 mois après qu'il soit sorti, qu'ils aient fait un truc de ouf, ça donne vraiment envie. Si Cyberpunk sur One X, je l'ai vu tourner le jeu, il tourne beaucoup mieux que sur Series S. Donc déjà, je suis tranquille sur ça. Donc. Même si il tournera toujours moins bien sur PS4 et sur Xbox première génération, mais le truc Cyberpunk me tente. Après, de toute façon, il y a un objectif. De toute façon, faut vous dire les gens que en septembre il y a un jeu qui sort qui s'appelle Tales of Aris, qui est les 25 ans du Tales of, donc des papas de Tales of Symphonia, Tales of Verpesia, Grace, Xillia. Et j'en passe moult moult. Tales of Grace aussi. Et quand celui-là va sortir, c'est fini. Je vais le bourriner toutes les journées. Je vais le bourriner. Bourriner celui-là et voilà quoi. En tout cas, très très bonne découverte, quoi. Village, je le conseille, quoi. Vraiment. Quoi. À faire, quoi. Mais bon. On peut pas faire plus, on peut pas faire moins là, à part à moins si vous voulez, je sais pas si ça reste encore sur le stream et tout, parce que là, un jeu qu'on peut stream, il y a, je peux vous montrer du Tales of Verpesia, où j'en suis, je peux sortir quoi, je sais pas. Je sais pas parce qu'il n'y a pas grand chose au final. Il n'y a pas grand chose. Mais ouais. Très. Ça, c'est le quatrième trailer. C'est ce qu'on a vu là. Ouais, ok. Ouais, c'est le quatrième. Ok. Je vais voir un truc, attends. Affichage. J'ai mis privilégier la résolution. On va mettre le framerate. Pour voir. On va voir, il reste à ça, il reste 4 minutes. Je vais voir juste pour voir la différence avec framerate. Là, tout à l'heure, j'ai mis en résolution et tout, et je trouve qu'en résolution, ça se démerde pas mal quand même. Le 4K 45 FPS, ça se démerde plus bien. Là, ça va être. Si je dis pas de quoi d'origine, je crois que c'est. C'est un peu plus que. C'est un peu plus de la résolution. De base de jeu, mais. Ah, il est propre, hein. Ah, tu sens que c'est un peu plus ouais.
Ah, c'est propre. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose ? Si, c'est quand même... Même avec le framerate et tout. Ok. Il y a... On sent que c'est pas de la 4K et tout, tu vois. Mais... Ah, c'est propre. Si, si. La page, hein. Si, on sent juste que bon, tu sens que le jeu, ils l'ont un peu vite fait, tu sens, mais léger, quoi. Mais 60 FPS, c'est pas mal aussi, ça. Je vais voir le gros. Là, techniquement, ça va couper à tout moment. Nous retrouvons. Vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille ? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas ? Dimitrescu ? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil ? Sait-on jamais ? En parlant de jeter un... Ah voilà. Ce qui arrive, arriva. Aïe aïe aïe, coup dur. Ah. Ce qui arrive, arriva. As the midnight moon rises on black wings. Coup dur pour le stream. In life and in death, glory to Mother Miranda. Bon, mais voilà quoi, hein. Merde, je fais une capture d'écran. Rose, where are you? Ouais, bon, ben voilà. Bon, c'était une bonne découverte, quoi. A voir après sur. Sur genre 20, 30 heures et tout, genre le jeu s'il dure comme il a duré l'autre, ça peut être sympa quoi. Ça peut être sympa. Donc ouais, bon ben sur ce, on va couper là. Bonne soirée. Et après peut-être à demain ou dans... De toute façon voilà. Ah, je sais quoi. À tout moment, ça pop les streams, et puis voilà. Donc, ça va, sur ce. À 10.